Et salut tout le monde, c'est Arisnek et on se retrouve aujourd'hui pour le trophée faire passer un message, donc qui consiste à enchaîner 3 neutralisations brutales ou plus. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un petit troupeau d'ennemis, donc 3 ou 4, 4 c'est le mieux pour ne pas rater le trophée, un petit troupeau qui soit le plus proche l'un des autres, donc comme cela, moi j'envoie une poupée vaudou pour les rapprocher, et ensuite vous venez vous faire voir, donc jusqu'à ce qu'ils viennent au moins vous pousser, vous bousculer, et là vous commencez à frapper. Donc pourquoi 3 ou 4? Car vous allez voir, les ennemis, quand vous en tuez un, les autres ont tendance à tomber en arrière. Donc si vous les réenchaînez en faisant rond sur eux, vous risquez de faire une neutralisation furtive. Donc vaut mieux attendre qu'ils se relèvent et ensuite les enchaîner, sinon le trophée ne tombera pas. Donc vous pouvez faire comme moi, vous mettre en normal exceptionnellement si vous êtes en difficile ou en moyen, car vous risquez de vous faire tuer assez vite. Vous voyez, moi je me suis remis de la vie au fur et à mesure, car le trophée n'est pas si facile que ça. Donc vous voyez, l'IA est un petit peu débordante, donc les ennemis ont tendance quand vous tuez quelqu'un à tomber en arrière, à trébucher, et vous allez voir que si vous faites rond directement sur eux, vous allez perdre votre fil au niveau de l'enchaînage des neutralisations. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Si jamais je me suis mal fait comprendre, vous pouvez venir me laisser un petit message dans les commentaires et je vous aiderai au mieux. Allez, salut tout le monde!